Donc Olivier, ce soir, un départ de championnat plutôt bon avec cette victoire 5-1 malgré de nombreux blessés. Ouais, enfin, nombreux absents, pardon. Ouais, il y a des absents, mais comme le groupe est étoffé, ben, on a réussi quand même à composer un groupe équilibré avec des jeunes. Voilà, le plus compliqué, c'est de composer aussi pour la réserve parce qu'on n'est pas... Enfin, on n'est pas riche pour l'instant, on a pas mal de blessures et pas mal d'absents, donc on a la possibilité de s'appuyer sur les 19 et les 18 qui jouent pas ce week-end. Donc voilà. Pour ce soir, c'est passé, il faut que ça passe demain maintenant, parce que l'objectif, c'est pas seulement le groupe senior R2, quoi, c'est la D2 aussi qui doit bien commencer le championnat. Donc voilà. On s'en est bien sorti, on savait que ça allait être un peu compliqué, on s'est bien mis en route. Après, on s'est mis dans la difficulté parce qu'on avait un peu trop de suffisance. On pensait que ça allait passer facilement. Et puis voilà, on les laisse revenir dans la partie. Oui, d'avoir marqué deux buts coup sur coup là. C'est toujours le petit péché d'orgueil à chaque fois qu'on a, quand on pense que ça va être facile. Mais si on arrête de faire les efforts, c'est l'adversaire qui reprend le dessus et on se met dans la difficulté tout seul alors qu'on avait la maîtrise du match. Sur la deuxième, ça a été mieux. Après, on a remis les pendules à l'heure un petit peu à la mi-temps. Même si on aurait pu se faire punir en début de deuxième sur une action où il touche le poteau. Vous avez su résister au moment où Ouais, c'est ça. Après, on a pas mal de soucis de blessure en ce moment, donc on n'a pas trop de choix sur certains postes. On est un peu limité, mais pour l'instant, les mecs font le taf, ils sont sérieux début de saison et conformes à nos objectifs pour l'instant, on va dire. Merci. Voilà.